La quatrième étape entre San Juan de Marcona va une nouvelle fois marquer les esprits. Des dunes, du sable, comme depuis le départ de ce 40e Dakar. Et c'est toujours un défi pour les camions, ce sable mou et cette navigation rendue difficile. Beaucoup de terrain perdu pour certains concurrents. Certains vont s'en sortir mieux que d'autres. Alexei Wisniewski, le Bélarusse, qui va rentrer dans le top 10 pour son 5e Dakar. Il termine 4e de cette étape. Il remonte à la 5e place du classement général. Voici ici Martin Masik, le Tchèque. Seulement 28 ans, il a déjà participé à 5 Dakar, 2 comme copilote. Et c'est le 4e de cette étape. On retrouve les Kamaz avec les équipages russes. Ici, c'est Eirat Mardeyev, le numéro 507. Même s'il a chuté au classement hier, il est le 3e de cette étape. Deux podiums et une victoire en 2015 pour lui. Il faudra s'en méfier jusqu'au bout, tout comme Nikolaïev, le champion en titre, qui continue d'accentuer son avance. Il a manqué de justesse la victoire d'étape, qui va revenir à la légende du rallye argentin, Federico Villagra, sur Iveco, qui va consolider avec cette victoire d'étape sa 2e place au classement général. Ignacio Casale, leader du classement des quads, a pu partir devant dans cette Mastart, à l'image des motos que l'on a vues juste avant. Avec une avance considérable, près de 26 minutes sur le champion sortant Sergei Karjakin. Il va aller chercher peut-être une 4e victoire d'étape. L'idée, c'était d'aller chercher le plus de temps possible à Sergei, parce qu'il est très très rapide, surtout quand on va arriver en Argentine. Ce sera difficile de le battre sur ce terrain, mais tout le temps que je peux gagner au Pérou est important. Je vais essayer d'accentuer cet avantage au classement général. Même si Casale est parti devant et a pris de l'avance au fur et à mesure dans cette étape, Sergei Karjakin va lui reprendre du temps. Très peu tout de même à l'issue de cette 4e étape, seulement 43 secondes. Et toujours plus de 25 minutes de retard pour le Russe sur le Chilien.